force gravitationnelle conservative. Alors, je vais vous demander plein de choses aujourd'hui. La première chose, c'est d'exprimer la force exercée par un astre ponctuel de masse NP sur un solide de masse M qui est placé à une distance PM égale petit r. Ensuite, je vais vous demander le travail élémentaire de cette force le long d'un petit chemin. Et puis ensuite, le travail total quand M passe d'une position M1 à une position M2. Et en fait, et en finale, le final des finales, trouver l'énergie potentielle gravitationnelle. À vous. Alors, on commence doucement. On commence par la force exercée par cet astre ponctuel. C'est moins grand G fois la masse de l'astre fois petit m divisé par la distance ici au carré, c'est-à-dire r au carré, fois quoi? Eh bien, fois u de r. Alors, au passage, si on avait à la représenter, on voit bien que la force elle est opposée à u de r, donc elle serait ici, c'est une force gravitationnelle attractive. Ce solide de masse m est attiré par cette masse mp. Comme vous, vous êtes attiré par quoi? Par la Terre. C'est pour ça que vous restez collé à la Terre. Bien. Ça, c'est la force gravitationnelle. Exprimons maintenant le travail élémentaire de cette force F. Donc, le travail élémentaire de cette force F, c'est égal à la force F, scalaire dl, un petit vecteur déplacement dl. Hein, par exemple, voilà, je fais un petit dl ici. Ça veut dire tout simplement que le point passe de M à M'. Que vaut dl? Eh bien, en coordonnées sphériques, hein, j'ai fait ici la base sphérique U de R, U de θ, U de φ. Eh bien, dl, il a trois coordonnées. Je fais une petite variation suivant U de R. Je vais l'appeler dlr fois U de R. Plus une petite variation de longueur sur U de θ, ben, je vais l'appeler dl θ u θ, plus une petite variation sur φ, plus dl φ, u de φ. Or, si je fais le produit de scalaire de f par dl, qu'est-ce qui va se passer? Comme f est uniquement sur u de r, nous aurons cette expression fois dlr u de r qui ne sera pas nulle. Par contre, U de R étant perpendiculaire à U de θ et U de R étant perpendiculaire à U de φ, eh bien, ces deux expressions, cette expression fois dlθ, cette expression fois dlφ, va être nulle. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste pour le travail élémentaire de F? Eh bien, moins G MP M sur R carré, U de R, fois dlr u de r. Bon, u de r scalaire u de r, ça fait 1. Que vaut dlr? La petite variation de longueur sur l'axe r, sur l'axe ici. Hein? Eh bien, ça vaut tout simplement dr. Petite variation de distance r, dr. Autrement dit, que vaut le travail élémentaire de cette force f? Eh bien, tout simplement, moins g MP M R carré fois dr. Si maintenant on veut trouver le travail d'un point M1, allez, je le renomme celui-ci, M1 jusqu'à un point M2 assez éloigné. Que vaut le travail quand je passe de M1 à M2 de cette force gravitationnelle? Eh bien, il suffit de faire quoi? Tout simplement, l'intégrale de l'expression que nous avons trouvée ici, c'est-à-dire moins g mp m r carré dr de r indice 1 à r indice 2, r1 étant cette distance, et puis hop là, r2 étant celle aussi. Voici r1. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la primitive de 1 sur R2, quelle est la primitive de 1 sur R2? Eh bien, ou de moins 1 sur R2,
La primitive, c'est 1 sur R. Ça, vous l'avez vu en mathématiques. Autrement dit, le travail de M1 à M2 de la force F est égal à la primitive, donc 1 sur R, ça nous fait G, MP, M sur R. Tout ceci est une constante. Hein. M, G, MP, M, ou on pourrait l'écrire de cette façon-là, hein, ça fera plaisir aux puristes. G, MP, M, moins 1 sur R carré, la primitive c'est 1 sur R. Donc 1 sur R pris entre quelle bande d'intégration entre R1 et R2. Ce qui nous donne donc, pour le travail de cette force de gravitation, de M1 à M2, G, M, P, M, vecteur de 1 sur 1,2, moins 1 sur 1. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ceci? Eh bien, tout simplement que d'abord, ben, mon petit 2, il est là, évidemment, hein, que le travail de cette force F ne dépend pas du chemin suivi, hein, qu'on fasse ce chemin-là ou ce chemin-là, eh bien, on voit que ça ne dépend que de, évidemment, GMP, M, et puis des rayons R2 et R1, des distances, hein, finalement, entre P, M1 et P, M2. Donc, si le travail ne dépend pas du chemin suivi, si le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi, cette force est bien conservative. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il ne reste plus qu'à trouver l'énergie potentielle. À vous de jouer. On détermine maintenant que vaut l'énergie potentielle gravitationnelle d'un point M à une distance petit r quelconque de la planète. Eh bien, on sait que le travail élémentaire ici vaut, on l'a vu précédemment, moins grand G, constante de gravitation universelle, fois la masse de la planète, fois petit m sur r carré dr. Voici. Cette variation vaut moins la variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Autrement dit, que vaut cette variation d'énergie potentielle gravitationnelle? Eh bien, c'est grand G fois MP fois petit m sur r carré dr. Autrement dit, l'intégrale de dp égale l'intégrale de ceci, ce qui nous donne pour l'énergie potentielle gravitationnelle EP égale la primitive de 1 sur r carré, c'est moins 1 sur r, donc moins 1 sur r multiplié par cette constante grand G fois MP fois M. On peut mettre moins R, voilà. Bien, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, quand R tend vers plus infini, alors évidemment plus une constante, hein, plus qu'un. Alors qu'est-ce qu'on remarque, hein? Bien, quand R tend vers plus l'infini, ce terme-là s'annule, il nous reste la constante K. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'à l'infini, l'énergie potentielle gravitationnelle est nulle. Donc la constante K, elle vaut 0 également. Ce qui est normal, hein. Si on s'éloigne très 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 loin, hein, de la planète, à ce moment-là, eh ben, notre énergie potentielle gravitationnelle, elle est nulle, normalement. Voilà. Force gravitationnelle conservative exercée par un astre ponctuel. La force gravitationnelle, comme nous venons de le voir, est une force conservative, donc le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi. Le travail élémentaire vaut moins grand G MMP sur R carré fois DR. Ce travail élémentaire est égal à moins D de EP, EP étant l'énergie potentielle gravitationnelle. Ce qui nous donne pour l'énergie potentielle gravitationnelle de ce point de masse M, moins grand G, MMP sur R, plus une constante, généralement égale à 0, quand R, car quand R tend vers plus l'infini, l'énergie potentielle peut être considérée comme nulle
et elle est égale à C.